Bonsoir, c'est Ralph. Ça y est, c'est vendredi. C'est le retour du week-end. Enfin, le retour, on vous êtes dedans depuis quelques jours avec ces jours fériés. Les ponts s'agrandissent et carrément des viaducs. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et j'espère que vous êtes prêts à vivre un gros, gros week-end. Vous êtes dans Pils, par ici la sortie. On parle de l'actualité du Rhône-Alpes, en France, vos soirées. C'est tout pour vous. Il y a de quoi faire la fête. Et on commence direction Toulouse avec le festival Inox. C'est un des festivals les plus mythiques de France, un des plus connus. C'est sa 12e édition. Je vous emmène voir et découvrir ce qui va se passer, ça commence dès vendredi soir, donc dès ce soir, vous allez voir, et juste un peu plus tard, je vous ferai même gagner des passes VIP. C'est dans le reportage. Douzième édition déjà pour ce festival incroyable. Mythique et légendaire, le festival Inox à Toulouse a su trouver sa place parmi les plus grands festivals d'Europe. Une programmation exceptionnelle basée sur 3 jours, les 9, 10 et 11 mai à Toulouse dans la ville rose. Les plus grands DJ de la planète sont au rendez-vous. Ils se déplacent en masse pour jouer lors de cet événement incroyable. D'ailleurs, le public le leur rend bien. Des grandes têtes d'affiche comme Joachim Caro parrainent ce festival hors norme. Carl Cox, Sven Vatt, Magda, la scène mondiale est représentée. Ayant eu un petit frère dans la ville de Strasbourg et depuis 4 ans l'Inox Park à Paris, le festival Inox de Toulouse reste aujourd'hui une référence en matière de festival musique électronique. Alors ce week-end, direction La Ville Rose, direction Toulouse pour le festival Inox Space Edition. Et oui, ça commence dès ce soir vendredi à la Dune, le complexe de la Dune de l'Inox. Des milliers de personnes sont attendues comme chaque année. Et d'ailleurs, si vous avez envie d'y aller, eh bien dimanche soir, on vous y invite pour la soirée de clôture. Soirée de clôture avec le DJ star Joachim Garraud, Mathieu Boutier, Tony Romera. Moi aussi, je serai présent pour faire la fête avec vous. Alors, si vous voulez venir à Inox, c'est simple, vous envoyez votre nom, prénom à l'adresse ci-dessous, je.pilstv@gmail.com. Allez, j'en invite 5. Allez, on est fou. 10, on vous emmène à Toulouse. Sur place, vous serez en accès VIP. Pas compliqué, on envoie vos noms, les prénoms à l'adresse. Voilà, ça c'était le petit cadeau de Pils pour la semaine. C'est parti, direction les news. Les news, eh ben, cette semaine, bien entendu, comme toutes les semaines, elles sont bien bien chargées. Je vous parle pour commencer eh ben, de l'actualité en Rhône-Alpes bien sûr, mais aussi des people. Et en Rhône-Alpes, on a eu la date. La Paradiso Festival aura lieu le 20 juillet sur la plage de l'Impérial. C'est l'événement que tout le monde attend. Voilà la date, c'était en exclu le 20 juillet. On continue direction l'international. On parle tout des radios crochets, des DJ crochets arrivent. Ça s'appelle Ultimate DJ. Simon, le producteur des émissions comme Factor X ou toutes ces émissions de radio crochets, lance un projet aux États-Unis incroyable. Je vous en dirai plus bientôt. Toujours côté news, on parle des DJ. Ces gens-là, comme nous tous, ils gagnent de l'argent. Mais il y en a qui gagnent énormément d'argent. Comme le premier, Calvin Harris, qui a gagné plus de 40 millions de dollars. Et le troisième, le français David Guetta, 30 millions de dollars dans une année. C'est quand même des sommes exceptionnelles. Mais bon, pour pouvoir danser, il n'y a pas de prix. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Le pass VIP pour aller au festival dimanche soir, au festival Inox. Je vous rappelle encore une fois, vous envoyez votre mail. Ça, c'est dans les news. Et puis, côté news, notre ami Bob Sinclair a fait une belle rencontre avec le top modèle Gisèle Bündchen. Ils ont fait un titre, une reprise de Blondie. Je vous laisse écouter. Connaissant l'ami Bob Sinclair, je peux vous dire que ses goûts en la matière sont quand même très 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 intéressants. Gisèle Bündchen, Bob Sinclair, la reprise de Heart of Glass de Blondie. Ça sort très très bientôt, un peu partout, et c'est vraiment un événement musical très très sympa. Voilà pour les news de la semaine. Eh bien, on attaque le week-end, c'est vendredi. On est en plein pont, 2 jours fériés du 8 mai. Donc le week-end est très chargé. La semaine qui arrive aussi, on le découvre dans l'agenda. It.
C'est parti, dès ce soir vendredi, direction le festival Raven avec The Mann Sisters. Et c'est au téléphone rose. American Provoke au duplex pour les soirées américaines. Et puis pour les soirées un peu sexy, au Next Door QG, la soirée Sextoy. Punta Cana au Macumba Caliente. Et puis demain soir, samedi, direction encore le téléphone rose où DJ Lando donnera sa messe. Et puis au XS du côté de Lyon, ça sera le DJ Yves V, star de Tomorrowland. Soirée reggaeton au Madison. Et puis pour les amateurs de disco, à la patinoire du Grand Bornand, ça sera chaud. Le Next Door fête ses 1 an avec Charlie Drift et Sébastien D au platine. Et au Macumba, ça sera le DJ Moms de la Vega, percu live et mix vidéo. Dans la semaine, bien entendu, au téléphone rose, les dimanches roses avec DJ Poussin. Et puis comme tous les jeudis, rendez-vous à l'apérosé dès 19h30. Et puis suivi au pop par la soirée étudiante Cork. Voilà, pensez à bien envoyer vos événements à ralph.pilstv@gmail.com pour figurer dans l'agenda. Vous nous envoyez vos événements, mais aussi vos news. Elles m'intéressent. On est là pour communiquer, pour vous faire partager un maximum d'infos. Si vous êtes au courant d'un festival qui va se tenir ou qui est en train de se monter, d'une jeune association qui vous aimerait faire découvrir leurs soirées, leurs événements, et même si vous avez un nouvel établissement, un restaurant, un bar, quelque chose de sympa, enfin, tous les lieux pour la sortie, on est preneurs et on sera super content de pouvoir le partager avec les autres spectateurs de la 8. Voilà, je vous remercie beaucoup. C'était Pils, par ici la sortie. Je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Au revoir. Voilà.